Salut à toi, nouvelle vidéo aujourd'hui. Avant tout, je tenais à te remercier pour tous les commentaires et les messages positifs que tu m'as envoyés sur les dernières vidéos concernant les home gym notamment. J'ai pu remarquer que tu t'es dirigé vers les sites que je t'ai proposés et qu'il n'y avait pas forcément de stock. C'est normal, c'est parce que c'est la période qui veut ça, les trucs partent très très vite. Et du coup, j'ai une très bonne nouvelle, c'est que j'ai réussi à te trouver du matériel sympa. Sur Amazon, donc j'ai deux budgets, j'ai un budget à 250 euros et un budget à 500 euros, donc en fonction de ce que tu veux mettre dans ta salle de sport, tu vas pouvoir t'adapter à tel ou tel budget. Donc du coup, ce que je te propose, c'est qu'on aille checker ça ensemble sur l'ordinateur et puis moi je te dis à tout de suite, tchuss! La première composition que je peux vous proposer, c'est la composition que j'ai appelée Eco Plus, donc on est sur un budget de 250 euros à peu près. Et le premier item, c'est un banc de muscu, hein. C'est un banc de muscu classique, inclinable et déclinable, il est pliable complètement, il supporte 250 kg de charge maximale, donc franchement c'est le top, faut évidemment prendre en compte son propre poids de corps, donc je trouve que c'est vraiment pas mal pour le mettre à la maison, surtout que voilà, il a vraiment cet aspect pliable totalement qui est vraiment hyper intéressant pour pas qu'il reste en plein milieu de votre salon. Donc voilà, moi si je devais partir sur un banc, je partirais sur celui-là. Surtout qu'actuellement parlant, les bancs de musculation, ils ont quand même bien augmenté. C'est le jeu de l'offre et de la demande. Donc on a pris à peu près quasiment allez, 50 à 70 euros sur les bancs qu'on avait à 50 euros. Donc voilà, on a une moyenne de prix qui est dans les 150 euros malheureusement maintenant avec la crise sanitaire. Donc voilà, je partirais sur ce banc-là que je vous ai montré, là, le ISE, banc de musculation. De toute façon, je vous mettrai le lien dans la description. Il n'y a pas de souci là-dessus. Ensuite, bon, il nous faut des haltères. Et vraiment, sur les haltères, je vous mens pas, les prix, ils ont complètement explosé. Le meilleur rapport qualité-prix, c'est celui-là. Donc, vous en avez pour 100 euros. C'est 40 kilos. C'est le max qu'on peut avoir. C'est, je crois, le seul vendeur Amazon qui n'a pas mis ses haltères à 40 kilos à des prix exorbitants. Parce que ce modèle-là, on le retrouve chez d'autres vendeurs et ils le mettent sans vergogne aucune à 200 balles minimum. Donc voilà. Pour moi, ça, actuellement parlant, c'est le meilleur rapport qualité-prix. C'est pas la top qualité, mais c'est vrai que maintenant, on a vraiment du mal à trouver de l'équipement de bonne qualité. Donc, faut vraiment pas faire les difficiles, quoi. Petit bémol sur ces haltères-là, c'est que voilà, comme vous pouvez le voir, elles seront en stock uniquement à partir du 26 mars. Donc je suppose que si vous passez commande maintenant, vous aurez quand même, vous les recevrez quand même plus rapidement que si vous les achetez le 26 mars. On va dire que c'est comme une précommande, quoi, tout simplement. Donc moi, personnellement, je préfère les recevoir un mois après que de mettre, je sais pas, 150 euros de plus pour la même qualité, quoi. Donc voilà, vous n'avez pas le choix. Si vous êtes sur ce petit budget-là, il va falloir prendre votre mal en patience et vous positionner sur des produits qui sont de ce style-là. Ensuite, pour le home gym, toujours dans la gamme Eco Plus, j'ai sélectionné une petite corde. Donc là, franchement, j'ai tellement envie de la tester parce que je me la suis pris, il faut savoir. C'est une corde Amazon Basics. Donc Amazon Basics, pour ceux qui ne savent pas, c'est une gamme d'Amazon, donc évidemment. Et ils font absolument de tout. Donc ça peut être des mugs et ça peut être des cordes à sauter. Donc c'est vraiment incroyable, ils ont une gamme de tout quoi. Et là en l'occurrence, ils ont une petite corde à sauter qui a vraiment l'air très très sympa. Donc c'est du style CrossFit pour ceux qui connaissent. C'est voilà, c'est un câble en métal quoi, avec un petit revêtement et tout. Vous pouvez régler la longueur du câble. Donc ces cordes à sauter là, c'est vraiment pour faire de la vitesse, pour faire des tricks et tout. C'est vraiment hyper cool. Si vous faites de la boxe, c'est vraiment génial. Honnêtement, c'est génial. Pour faire les doubles sauts aussi, tout ça c'est vraiment super top. Donc vous avez plein de coloris, hein, franchement, ça a l'air vraiment énorme. Donc écoutez, je vous ferai une petite vidéo test de cette corde à sauter quand j'aurai l'occasion de la tester. Elle devrait arriver la semaine prochaine. Donc voilà, je vous ferai ça. Et évidemment, je vous la conseille pour votre home gym parce que la corde à sauter, c'est vraiment le moyen de faire du cardio le moins cher, quoi. Vous voyez, pour 13, pour 14 euros, vous pouvez faire des séances de ouf, quoi. Donc ensuite, une petite barre de traction, évidemment on est sur la gamme Eco Plus, donc on va pas mettre hyper cher. Donc voilà, les barres de traction, c'est aussi comme le banc, c'est soumis aux mêmes règles, l'offre et la demande. Et là les barres de traction, elles sont à 50-60 euros alors qu'avant elles étaient à 20 euros. Donc ça, c'est pour moi le meilleur rapport qualité-prix. Donc voilà, c'est une barre de porte classique, hein, c'est vous savez, les barres qui se vissent à la porte.
Donc vous prenez le centre de la barre et vous le vissez jusqu'à ce qu'elle s'élargisse et qu'elle bloque la porte en fait. Donc cette barre est vraiment pas mal à mon sens, j'en ai déjà utilisé une comme ça. Je vous conseille quand même, si vous partez sur ce genre de barre, de mettre une espèce de mousse. Attendez, si j'arrive à vous montrer l'image, de mettre une espèce de mousse sur les bords là, donc entre la barre et la porte évidemment, pour pas l'abîmer. Parce que c'est vrai que quand vous avez tendance à vous appuyer dessus, bah ça, la barre a tendance à rentrer un petit peu dans la porte et enfoncer un petit peu la porte, donc faire des marques. La gamme Bling Bling, donc c'est une gamme à un peu moins de 500 €. On ajoute ce Alfrac là, donc on a en même temps une barre de zips en fait, et on a les chandelles. Donc les chandelles, ça va nous servir à quoi? Ça va nous servir à faire tout ce qui est squat, tout ce qui est rack pull, tous les exercices comme ça, développé couché aussi qu'on va pouvoir combiner avec le banc. Vous pouvez logiquement vous faire une petite station, développé couché, squat et tout, donc franchement c'est le top. C'est vraiment le top. Ça, c'est un petit budget à un peu moins de 500 €. Ça prend pas énormément de place. Vous avez deux équipements pour le prix d'un. Donc, vous avez des barres de dips et vous avez en même temps ça. Sur la dernière compo, bah, je prendrai le banc que je vous ai montré tout à l'heure et ces haltères-là. Donc, ces haltères-là sont des haltères réglables. Donc, ça vous évite d'avoir 36 000 haltères à la maison, 36 000 plaques de fonte. Et franchement, je trouve que elles font vraiment, vraiment le taf. Bowflex, c'est une marque qui a fait ses preuves. Je pense que c'est les meilleurs haltères réglables actuellement sur le marché. Petit problème, c'est que bah, j'ai pas trouvé les haltères au-dessus. En fait, on a que de 3 à 18. Et encore, c'est une quételle. De 3 à 18 et de 2 à 24. Mais normalement, on a aussi des 4 à 42, je crois, si je dis pas de bêtises. Pour cette compo-là, on est à... Oula. Ah, j'en ai pris 4, il faut pas en prendre 4, il faut en prendre juste 2, ça suffit, on a 2 bras, ça suffit. Donc on serait sur ouais, un peu moins de 620 €, quoi. Donc bon, c'est vrai que c'est un investissement, mais je pense que malheureusement pour cette situation, on est parti pour longtemps. Donc si à l'heure actuelle, je devais faire un home gym, bah, je partirais sur ça. C'est déjà terminé pour cette vidéo, j'espère que tu as appris quelques trucs, que tu as trouvé des items qui potentiellement t'intéressent pour construire ton home gym ou alors pour l'améliorer. Moi, en attendant, je vais te laisser une petite séquence qui m'a fait énormément rire quand j'ai commencé à tourner la vidéo parce que je suis tombé sur un truc qui est quand même fantastique. Donc je te le mets juste après et en attendant, moi je te dis à une prochaine vidéo. Ciao, ciao. Muscler les muscles faciaux. C'est quoi ce truc? Jaw exercise. Non mais, oh non mais, what the fuck. Oh putain. Ah ouais, non mais c'est abusé. Non mais attends, mais les gens qui testent ça, ils ont perdu du body fat et tout. Non mais c'est incroyable quoi. Regarde-moi ça, cette meuf là, elle a perdu au moins 20% de body fat quoi. Slim your face. Oh non mais ça, c'est pas une des plus grosses arnaques que j'ai vues sur Amazon. Oh my god.